Eh bien, chers amis, bonsoir. Vous êtes en compagnie de Pierre de Brest-Bosch. J'espère que, comme vous l'a montré, ces magnifiques paysages qui nous ont réjoui la vue une grande partie de l'après-midi, vous avez pu aussi vous ressourcer. Vous voyez quelques extraits en images maintenant fixes. Voilà un endroit qui s'appelle la Bérylduthe. C'est magnifique. On a vraiment été subjugué par ces paysages, vous voyez, cet immense, je ne sais pas comment on peut l'appeler, berre, en tout cas, c'est cette présence d'eau sur des kilomètres et des kilomètres avec un sentier côtier en bordure, quelque chose de vraiment magnifique. Et puis ce texte posté par Marie en fin de journée, évidemment, je ne résiste pas à l'envie de vous le lire. L'imposture est terminée, les masques sont tombés, nous sommes des millions à nous être bien réveillés, inutile de brandir les mots complot et conspiration comme des épouvantails. Sur nous, la vérité officielle n'a plus aucun effet, le baratin ne prend plus, on s'en fout de l'actualité, on a préféré s'informer avec tout ce que vous avez censuré, c'est un bon label chez les rebelles, nous allons arrêter d'acheter, nous allons arrêter de voter, votre empire va s'effondrer sans que vous ne puissiez rien faire pour l'empêcher. Je ne sais pas comment vous le ressentez, mais en tout cas, ça fait du bien à lire. Alors,